Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, toujours pour la construction d'une boîte en cartonnage. Et comme d'habitude, voilà Fifi, donc vous allez la voir dans la vidéo qui suit. C'est la construction de la boîte. Elle vient de temps en temps me donner un coup de main. Je sais pas si c'est vraiment un coup de main qu'elle me donne, mais bon. Donc là, c'est pour une commande qu'on m'a passée. Donc la personne m'a passé la commande pour deux boîtes livres et une commode. Donc là, c'est la première boîte livre. Donc je vais vous faire une vidéo à chaque fois, comme ça vous aurez trois vidéos. Donc là, c'est la première boîte livre que j'ai terminée. Donc je l'ai commencée hier, je l'ai finie ce matin. Voilà, donc je commence à être rapide, mais bon, les boîtes livres sont très faciles à faire, donc il n'y a pas de souci. Alors je vous la montre parce qu'elle est là, elle est terminée, et après vous resterez sur la vidéo, vous verrez sa construction en rapide comme d'habitude, puisque là la boîte livre, maintenant vous avez l'habitude. Je vous remets le lien ici, ou alors là. Excusez-moi. Je ne sais jamais de quel côté ça va se mettre quand je fais le montage de la vidéo. Puisque cette boîte, c'est la plus facile. Voilà. Alors, voilà la boîte. Donc, tout en rose, en violet, en parme. Donc, toujours la fermeture avec un aimant. Bon, là, comme vous savez, il faut que maintenant je la mette sous presse pour qu'elle soit bien... soit bien plate et bien bien sèche, puisque là je viens à l'instant de la terminer, hein. Bon, Fifi, pousse tes fesses, merci. Ouh là, oui, tombe pas de la table quand même. Donc voilà le dessus, j'ai décoré avec un tout petit ruban, un nœud et deux perles, c'est tout. Et voilà, donc elle s'ouvre comme d'habitude avec l'aimant, et voilà l'intérieur. Donc, le même tissu que là, mais en rose, et là, en parme. Voilà, ça, c'était des tissus que je vous avais montrés à une dernière vidéo. C'est pareil, je vais vous remettre le lien. Des tissus que j'avais trouvés sur Amazon. Je les avais trouvés très jolis. Voilà, vous voyez. Et ça, c'est le dessous, bien sûr. Comme d'habitude, j'ai protégé avec des coins en métal. Bon, il y a encore des petits fils de colle, mais ça, c'est rien. Ça va partir. Donc, voilà. Donc, Clémence, si tu passes par là, ben voilà, déjà ta première boîte. Et maintenant, je vais attaquer la deuxième. Voilà. Donc, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. À la fin, je vous remettrai, comme d'habitude, des photos de la boîte pour que vous la voyez un peu mieux en détail. Et je vous invite à me laisser des commentaires sous la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Et que ce soit en bien, ou si vous ne l'avez pas aimé. Mais bon, ça m'étonnerait. Je passe également un petit message. Alors, vous avez vu que j'avais fait cette couverture. Voilà. Pour mettre des petits carnets dedans. La personne qui me l'a commandé s'est désistée, voilà. Donc, ben elle est, du coup, elle est en vente. La personne qui me l'a commandé s'est désistée, et ben, si ça intéresse quelqu'un, ben, prenez contact. Bon, là, je vais la descendre parce que, oups là, la personne qui me l'a commandé, donc, je disais, s'est désistée, n'en veut plus. Et donc, si elle vous, cette couverture de carnet vous intéresse, ben, prenez contact avec moi. Je vous dirai ben, le prix, et comment... Oh là là! Et comment on fera pour les achats. Donc, je vous la remontre. Voilà, le dessus, l'intérieur, avec les élastiques pour pouvoir y mettre les carnets. Le derrière. Fifi! Elle est en train de faire bouger le pied. Et le côté. Voilà.
Donc, si cette couverture de notebook vous intéresse, donc elle est en rigide, hein. Je précise, c'est du carton, ça a été fait en cartonnage. Donc, si ça vous intéresse, prenez contact avec moi, soit par email, soit par mon Facebook. Et on fera affaire. Voilà. Donc, cet article est en vente. Voilà. Donc, en sachant que bah, là, c'est du chabi, hein. Donc, si vous aimez le chabi, bah, n'hésitez pas. Voilà. Je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Et moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, une nouvelle aventure. Bisous, bisous. Et Fifi aussi vous fait plein de les chouilles. À bientôt. Bisous, bisous.